Bonjour à tous et cette semaine, la Minute BD est de retour à Rouen, à la librairie Lumière d'Août, où Mathieu va nous présenter son nouveau coup de cœur. Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler du dernier Atlas, édité chez Dupuis, avec un scénario à quatre mains fait par Veldman et de Bonneval, et un dessin d'Hervé Tancrel. Le dernier Atlas, c'est un polar uchronique, l'uchronie étant une déformation historique. Nous suivons cet homme. Qui est une petite frappe de la mafia nantaise, qui se voit missionner d'aller rechercher une pile nucléaire présente dans une machine que je vous laisse découvrir en lisant l'album. Le dernier Atlas, donc, c'est un polar, on va suivre différents personnages, une petite dizaine, qui va de la journaliste jusqu'au chef mafieux, à travers la France, l'Algérie et l'Inde. L'Algérie et la France ayant un passé commun, la guerre d'Algérie, mais qui ne s'est pas du tout déroulée comme nous la connaissons, d'où la partie uchronique. Ça propose aussi une vision incisive de l'immigration algérienne en France, des problèmes écologiques majeurs via des oiseaux migrateurs. Hop, c'est un peu long Mathieu, mais merci beaucoup. On peut tout de même rappeler que le dernier Atlas est une série en 3 volumes. La Minute BD est terminée. Retrouvez d'autres idées lecture chaque semaine dans votre quotidien Paris-Normandie et la page BD chaque dimanche dans Liberté Dimanche. Et n'oubliez pas que cet album est à gagner sur nos réseaux sociaux.